préfère là. Je préfère la caméra, position de la caméra. Waouh, bonjour, il y a les premières personnes. Bonjour. Bonjour, bonjour, appelez-moi bébé. Appelez-moi bébé. Appelez-moi bébé. Nous allons passer du bon temps sous le baobab. Comme d'habitude avec la maman Ndombe. Facebook n'envoie pas les notifications, même à la maman Ndombe. Même à moi, Facebook n'envoie pas la notification. J'ai dit, à moi-même, Facebook n'envoie pas de notification. Wow, wow, Facebook. Mom, how can you do that? I can't even share my own video. Appuyez sur le bouton, appuyez sur le bouton. Appuyez sur le bouton qu'il faut. Bienvenue sur le baobab. Appuyez sur le bouton qu'il faut. Bienvenue sur le baobab. C'est un débat intéressant. Faites venir les autres, faites venir les autres. Faites venir les autres, j'en ai pas pour longtemps. Faites venir les autres. Facebook n'envoie pas de notification. Facebook n'envoie pas de notification. Quelqu'un dit quoi? Pas d'insulte. Je t'insulte. Ne partage pas. Je t'insulte aujourd'hui et demain. Je t'insulte après et après. Pas d'insulte. On insulte quoi? Nonsense. Allez, on passe aux choses sérieuses. Cul. Respectez les anciennes personnes. Quand la maman Ndombe avait commencé l'activisme là, vous n'étiez pas né. Je dis, petit, je dja. Mon Dieu là, il n'y a pas. Je dis, je dja. Pas les histoires. Je dja et j'assume. Bienvenue sur ma terre. Petit, je dja. Petit oh, je dja. Pas le bavardage. Je dja. Pas le bruit. Je dja. Et vous savez que je dja. Respectez les vieilles personnes. Appelez-moi la petite fille de Sundia Taketa. Et je vous passe le bonjour depuis la terre ancestrale. Depuis la terre du féminisme. Depuis la terre où les femmes ont été toujours leaders. Quand le féminisme est blanc. Ou quoi, le féminisme est blanc, si je peux dire. Je veux dire les femmes féministes. Sont des blanches, des européennes, des locodèmes. On vous a dit que la servitude est africaine. On vous a dit que la soumission est africaine. Les grandes guerrières, les femmes qui ont bâti l'Afrique, les Amazones, les Nubians. Bienvenue sur ma terre. Encore, le féminisme est occidental. C'est le propre des femmes blanches. Really? Bienvenue sur ma terre. Connectez-vous et partagez. Je dis, vous faites ça, je vais vous manquer le respect prochainement. Le rythme est bon, le volume aussi. Bienvenue sur ma terre. Je dja, mémé quoi tu vois? Je dja.
Je sais que je dja. Je dja de loin et de près, je dja. Inside out, je dja les esprits là. Je dja les idées, j'en ai. Bienvenue sur ma terre, on dit quoi? Petit, Adina Sekmek, je dja. L'élu des ancêtres, je dja. La messagère ancestrale, je dis, il n'y a pas mon Dieu. La femme qui ne parle pas mais qui gronde, je dis, je dja. Le charisme ancestral, je dja. La vision panafricaniste, je l'ai. Le féminisme et la féminitude, j'incarne. Je dja. Vous pouvez faire quoi? J'assume ce que je dis et je dis ce que j'assume. Bienvenue sur ma terre. Encore le féminisme est le propre des femmes blanches. Vous êtes africain, vous êtes panafricaniste quand ça vous arrange. Déjà, même on dit quoi? Appelez-moi bébé, envoyez-moi mes cœurs. Votre aigreur là, je m'en tape. Vos frustrations là, j'en ai rien à cirer. Votre suivisme là, je m'emballe. Vos petits bavardages là, si vous êtes fâché, luttez plutôt en Afrique et changez des choses. J'ai dit, si le féminisme là est européen, si le féminisme est occidental, si le féminisme est hélène, dites-moi en quoi, dites-moi comment vous revendiquez votre africanité. C'est salir la mémoire de nos ancêtres une fois de plus. C'est salir la mémoire de nos ancêtres une fois de plus. Tenir une déclaration aussi subjective, à la légère. Le féminisme est le propre des femmes occidentales. Comme quoi, la femme noire doit se taire. La femme noire est devenue une sorte d'échappe, d'essuie-pied. Une sorte de paillasson. Madame, tais-toi, couche-toi, je monte dessus. Et la polygamie là, elle est occidentale ou africaine? Vos religions abrahamiques là, c'est l'Afrique? Vous revendiquez votre africanité quand cela vous arrange. Bienvenue sur ma terre. Je suis féministe et j'assume. Féministe comme la reine Zinga. Oui. Féministe comme les femmes de Nder. J'assume. Féministe comme la reine, comme la Kim Pavita. Mm-hmm. Féministe comme les grandes prêtresses de l'Afrique. J'assume. Féministe parce qu'il faut changer la position de la femme en Afrique. Il faut changer la vision et la perception de la maman Africa. Des femmes chosifiées. Des femmes mises au second plan. Des femmes humiliées. Des femmes utilisées. Des femmes qui se soumettent. Des femmes qui n'apportent aucune contribution. Des femmes qui sont accrochées dans les relations comme des objets de décoration. Dites-moi en quoi le féminisme n'est pas africain. Dites-moi en quoi le féminisme n'est pas Fadimatou. Dites-moi en quoi le féminisme n'est pas Barbeau. Dites-moi en quoi le féminisme n'est pas Kamwa. Dites-moi en quoi le féminisme ne représente pas les dignes guerrières de l'Afrique. C'est quoi le féminisme? On vous a dit que c'est contre les hommes. C'est contre... nous sommes en compétition peut-être avec des hommes. C'est donner la place à sa mère. C'est respecter sa femme. C'est accorder un autre regard. C'est poser un autre regard sur sa sœur. Et quelqu'un m'a dit aujourd'hui, Maman Dombe, il faut mettre un numéro. Nous aimerons intervenir. Intervenez pour une fois, je peux prendre votre appel, hein. Pour une fois dans la vie, je peux prendre votre appel. Donnez la place à la femme. Dites-moi pourquoi est-ce que... Dites-moi comment est-ce que vous pouvez pratiquer l'islam et vous revendiquer africain. Dites-moi comment vous pouvez croire en un Jésus de Nazareth et vous revendiquer africain. Vous êtes africain à géométrie variable. À émotion variable. À bénéfice variable. À intérêt variable. Quand ça vous arrange,
Vous chosifiez la femme africaine. Vous assumez votre africaineté parce que ça vous permet de la promiscuité. Ça vous facilite le désordre. Bienvenue sur ma terre. Partagez, hein. Et de toute façon, même si ça ne décolle pas, il n'y a pas de souci. J'ai mon projet, j'ai eu le programme de faire mon live de l'année, mon live de la fin d'année, mon live, un retour politique pour condenser, pour résumer et pour donner aussi mon carnet de route pour l'année prochaine. Le bilan de l'activisme, le bilan de la révolution, de la revendication africaine, le bilan de la servitude. Nous voici 2021. Nous n'avons reçu aucune lutte en Afrique. Aucun combat n'a été réussi. Nous n'avons chassé aucun dictateur. Mais il y a certaines personnes qui se revendiquent activistes, qui se revendiquent combattants, qui se revendiquent politiciens. Avouez que vous ne servez à rien. Arrêtez de vous cacher derrière des pseudo-groupes et des pseudo-revendications. Reconnaissez que vous ne servez à rien. Vous êtes un peuple esclavagisé et qui adore ses bourreaux à vie. Reconnaissez que vous ne servez à rien. Vous n'avez jamais rien servi. Reconnaissez que vous avez échoué partout. Dites amen. Encaissez, taisez-vous. N'allez pas lutter contre le racisme en France. Ne luttez pas contre le racisme aux États-Unis. Ne luttez pas contre le racisme en Italie. Ne luttez pas contre le racisme en Allemagne. Ne vous plaignez pas en Belgique. Revendiquez votre Afrique. Bâtissez votre Afrique. Vous êtes incapables d'instaurer, de lutter pour la démocratie en Afrique. Mais vous êtes nombreux, des groupuscules, à revendiquer la cause noire partout à l'étranger. Partout aux États-Unis, on vous voit. En France, on vous voit. En Allemagne, on vous voit. Mais aucun groupe pour faire partir la dictature, aucun groupe pour déraciner les Biya, aucun groupe pour faire partir Alpha Condé, aucun groupe pour déterrer, pour déraciner les Ouattara, aucun groupe d'activistes en mission pour enlever la peine en Afrique. Vous êtes nombreux partout à vous plaindre, à revendiquer des causes perdues. Christelle dit, Niawa, partagez. Ils peuvent ne pas partager. Facebook a réduit. Hein. Facebook a réduit. Essayez de partager autant que possible. Moi-même, personnellement, je ne parviens pas à partager. Je ne me connecte même pas sur ce compte. Donc, c'est difficile. Facebook le fait sciemment. Mais je m'en tape. J'en ai pas besoin. Facebook le fait sciemment. Mais si vous pouvez partager, c'est bien. Vous ne partagez pas, c'est aussi, c'est tant mieux. Maman Danielle Reserve. Facebook le fait sciemment. Je vais vous montrer quelque chose. Hein, ce que Facebook fait, je ne me retrouve même pas sur le net. Donc, si je tape Mamouchka sous le baobab, c'est avec beaucoup de difficultés. Je tape Mamouchka sous le baobab et rien n'apparaît. D'accord? Mais ne vous inquiétez pas, on s'en tape. Je vais vous montrer. J'ai pas assez de réseau, anyway. Voilà, je parviens même pas à partager. C'est pour vous dire. Je sais pas si j'en ai partagé sur la page de Clarisse Kamwa. Je ne sais pas, je ne parviens même pas à partager, mais bon. Voilà. Post-it. Ouh, sympa. Essaye de partager autant que... Je ne peux pas. Je ne sais pas, je ne parviens même pas à partager, mais bon. Ouh, j'aime pas m'entendre. Voilà. Anyway, on parle des choses sérieuses. Post-it. Oh, comment je m'entends? Oh, j'aime pas ça. Je sais pas, je parviens même pas à partager. Ou j'aime pas m'entendre. Anyway. Aïe. Yolande Bou. Papa Poy. Ramon Kanta. Ramon Kota. Menkemen. Dédicace pour Loum Chantier. J'ai dit, je dis,
Petit, je dis, j'étais un peu troublé dans ma ligne. Mais de toute façon, j'ai tenu à faire mon live en fin d'année pour parler des choses qui me tiennent à cœur, pour lever un peu la lumière sur certains points et savoir et vous rappeler que vous êtes un peuple. Vous rappelez que vous êtes un peuple suiveur, vous êtes un peuple esclave à vie, un peuple dont le destin, un peuple dont la survie même est en danger à cause de votre suivisme, à cause de votre servitude, à cause de votre aliénation. Il n'y a pas de cause noire tant qu'il n'y a pas de spiritualité nègre. Il n'y a pas de cause noire qui tienne tant que les noirs n'auront pas, partout dans le monde, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ensemble, pris conscience de la gravité des choses, de l'importance de la libération d'un peuple. Et la libération est spirituelle. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Martin Luther King a échoué. Malcolm X a échoué. Le discours de Sankara n'a pas eu d'écho. Les groupes activistes ont échoué. Nous sommes en 2020, à quelques minutes de 2020. Mais aucun activiste, aucune victoire panafricaniste n'est à revendiquer. L'Afrique est encore sous contrôle de la France. L'Afrique est encore plus colonisée, plus esclavagisée, plus enchaînée que jamais. L'Afrique est toujours au centre du Mali. Je veux dire, la France est toujours au centre du Mali. La France est au cœur de la division en République centrafricaine. La France est responsable de l'instabilité au Cameroun. La France possède l'Afrique. Il n'y a donc pas de cause africaine. Il n'y a pas d'activistes africains. Il n'y a pas de revendications africaines qui tiennent tant qu'il n'y a aucune libération et aucune prise de conscience spirituelle. Le volume est bon. Vous allez bavader autant que vous voulez. Vous aliénez, voyagez à la Mecque, construisez les mosquées, louez le Dieu des autres. Rien ne changera, puisqu'il n'y a pas de substance en vous. Il n'y a aucune identité spirituelle. Il n'y a aucune connexion avec votre terre. Il n'y a pas de cause noire qui tienne tant que vous croyez encore au Dieu des autres. Tant que la terre sainte pour vous, c'est la Mecque. Tant que le sauveur du monde, c'est Jésus. Ça, c'est un fait, c'est une réalité et je ne changerai pas. J'ai résisté et j'ai réussi là où d'autres ont échoué. Seul, j'ai harangué les foules. Seul, j'ai choqué des esprits. Mais les moutons polygames, là, des moutons qui portent le boubou, là, les bavardeurs sur le plan, sur la voie publique, là, les harangueurs de foule à la con, des chômeurs patentés, là, des ventrus qui n'ont rien créé et qui ont pour palmarès les luttes inutiles, qui sont aujourd'hui incapables de s'asseoir et se poser la question réelle. Pourquoi l'Afrique? Pourquoi seulement les Noirs? Gandhi a réussi avec l'Inde. Mao Tse-Tung a bâti la Chine. Quel autre exemple je peux prendre? Même l'Allemagne, après plusieurs guerres, est devenue l'une des plus grandes puissances du monde. Demandez-vous pourquoi l'Afrique ne décolle pas. Arrêtez de pleurnicher aux portes arrêtez de chanter la Marseillaise spirituelle. Arrêtez de chanter l'Oncle Sam, le drapeau spirituel des États-Unis. Tant que vous n'allez pas assumer votre africaineté, tant que vous n'allez pas revendiquer la spiritualité africaine, tant que vous n'allez pas porter votre négritude, la lutte, la cause est perdue. Arrêtez de chosifier et de divertir et d'apporter la diversion. Alors arrêtez de troubler, de camoufler. Vous ne valez rien. Et rien ne sera achevé tant que la lutte, le vrai combat, n'aurait pas commencé. Vous êtes bien nombreux aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, dans les îles. Front anti-ceci, groupe de noirs anti-cela, mais vous n'évoluez pas, vous ne progressez pas. Posez-vous la question. Vous ne menez aucune lutte, vous ne menez aucun combat.
Vous ne menez aucune lutte. Vous ne menez aucun combat. Vous ne servez à rien. La polygamie peut-être. Et même la polygamie, les vrais hommes épousent des femmes de caractère. Les vrais hommes épousent des femmes de caractère. Et ceux qui croient en Dieu ne pratiquent pas la polygamie. C'est la manipulation. C'est l'usurpation. C'est le désordre sentimental. C'est l'utilisation, c'est la manipulation, c'est l'exploitation. C'est l'arnaque émotionnelle. Il n'y a pas de vrai amour qui se partage. Il n'y a pas de vrai amour si ce n'est vraiment une connexion, une fusion, une alchimie entre deux êtres qui partagent plus que d'attendre son tour chez son mari et assumer et prétendre que le féminisme, que les Africaines ne sont pas des féministes. Elles sont quoi? Les couche-toi, je passe. Les madame attend ton tour. Des ramasseuses de balles. Des videuses de couilles. What are you? That's the question. Trop de vérité, les noirs n'aiment pas la vérité. Franchement, je m'en tape. Je m'en tape. Maman Danielle Reserve, j'ai une question, s'il vous plaît. Allez-y. C'est quoi la question? Je vous écoute. J'ai le temps. Je dis, oh, je dja. Posez la question, je vous écoute. Maman Danielle, what is your question? J'ai une question, s'il vous plaît. Je vous écoute. Hein? Are you still there? Ou c'est un problème de... Jésus est-il seulement le Dieu des Blancs? Justement, Jésus n'est pas le Dieu des Africains. Jésus n'est pas le Dieu des Africains. Et si vous croyez vraiment en Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Jésus ne peut pas se faire en une seule personne. Dieu est tellement immense. Dieu est tellement inquantifiable. Dieu est tellement grand que c'est une aberration, la plus grande stupidité. Que de croire que Jésus peut incarner Dieu. Ça, c'est la plus grosse stupidité. Dieu est sous toutes les formes. Pourquoi Jésus doit être le Dieu des Africains? Et même si les dieux, qu'il soit Dieu chez lui, géolocalisable, qu'il soit Dieu en Israël, à Jérusalem, à Bethléem, mais qu'il ne soit pas Dieu à Yopougon, il ne saurait être Dieu à Bamako, il ne saurait être Dieu à Dakar, il ne peut pas être Dieu à Niamey, il ne peut pas être Dieu à Nouakchott. Il ne peut pas être Dieu à Dar es Salaam. Ça, c'est contradictoire. C'est aller même contre les fondations, la force spirituelle même. Laissez Jésus à Bethléem. Laissez Jésus à Nazareth. Mais vous n'avez pas de pays. Vous n'avez pas le Congo, vous. Vous n'avez pas Kinshasa. Vous n'avez pas Brazzaville, soi-disant. Vous n'avez pas Libreville. Pourquoi aller louer le Jésus des autres? Vous pensez que Dieu est tellement limité géographiquement, spirituellement, et qu'il va aller choisir un enfant conçu de façon obscure, porté par quelqu'un dont on ne connaît pas, vivre dans un petit coin et se revendiquer l'enfant de Dieu. Ça, c'est la plus grosse arnaque. Ça, c'est la stupidité aussi manipulatrice que la polygamie. Aussi manipulatrice, aussi obscurantiste. Ça, c'est du pur obscurantisme. Ça, c'est la bêtise qui insiste. Ça, c'est de l'usurpation. Il faut être aussi bête, surtout un Africain, pour croire qu'un Dieu qui n'a aucune caractéristique, aucune connotation, vous pensez quoi? Que Dieu, lui, il a abandonné l'Afrique? Il a abandonné le Congo, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, le Nigeria? Mais posez-vous une seule question. Depuis que vous louez le Dieu de Bethléem, là, depuis que vous louez le Dieu de Nazareth, là, il a déjà libéré l'Afrique.
un jour, c'est vous qui êtes victime de racisme, c'est vous qui êtes déporté dans certains pays, c'est vous qui êtes rejeté. Vous parlez, vous entendez même. Vous êtes contre le racisme, mais vous louez le Dieu de quelqu'un d'autre. Vous êtes contre le racisme et vous pensez peut-être que le féminisme est occidental. Vous pensez que le féminisme est le Kedem, mais vous utilisez le franc CFA. Vous pensez que le féminisme est le propre des femmes blanches, des femmes occidentales, mais vous parlez la langue française. Vous portez le nom du colon. Vous croyez au Dieu du colon. Quel paradoxe! C'est contradictoire. C'est fondamentalement faux. C'est de l'usurpation. C'est de la pure aliénation. Vous avez été lobotomisé. Vous avez été zombifié. C'est la plus grosse bêtise. Retournez à votre terre. Vous n'êtes pas seulement africain quand il faut épouser Fatima ou Khadija, Kamwa. Mais soyez africain dans tout ce que vous... Soyez africain dans chaque geste que vous posez. Louez le Dieu africain. Respectez les valeurs africaines. Respectez vos ancêtres. Aujourd'hui, vous plaignez qu'on vous maltraite, on vous humilie dans certains pays, mais vous rejetez vos ancêtres. Vous rejetez le Dieu de votre terre. L'Africain est tellement aliéné que pour lui, l'unique idée de vénérer un Dieu noir est pour lui un cauchemar. Parce qu'ils associent le noir à la sorcellerie. Ils associent le noir à la manipulation. Ça, c'est l'autoflagellation. Vous vous détestez. Ça, c'est l'automutilation. Vous êtes votre propre cauchemar. Votre ennemi, c'est vous. Votre pire ennemi, c'est le noir lui-même. Et votre adversaire, c'est vous. Vous attendez quoi du Dieu des autres? Vous dépensez 3 500 000 pour aller à la Mecque en pèlerinage. Vous attendez quoi des dieux des Arabes? Un Dieu qui ne parle pas votre langue. Un Dieu qui ne porte pas votre nom. Un Dieu qui ne connaît pas votre culture. Mais au même titre qu'on vous rejette en France, là, au même titre qu'on vous chasse en Allemagne, là, c'est comme ça que vous serez des sans-papiers au ciel, si le ciel existe. Ces 72 vierges, là, c'est pas pour des négriers comme vous. Sortez de là, libérez-vous. Le problème, c'est vous, c'est personne. Le sorcier, c'est vous-même. Votre vrai marabout, là, c'est vous. Vous priez tous les jours. Les grandes sociétés pensent à développer la technologie, à uberiser, à digitaliser. Mais tous les jours, vous êtes à l'église. Vous demandez quoi à Dieu? Vous attendez quoi de ces dieux-là? Les autres sociétés travaillent, mais vous êtes tous les jours. Vous demandez quoi? Il vous a déjà donné la vie. Si l'Afrique n'était pas le diamant, si l'Afrique n'était pas la perle mondiale, pourquoi tant de bagarres en Afrique? Pourquoi tant de guerres? Pourquoi tant d'occupations? L'Afrique est convoitée. L'Afrique est la perle rare, la plus belle femme du continent. Mais des aliénés, des moutons, des égarés, s'asseyent tous les jours, louent le Dieu des autres, le Dieu des Arabes qui vous tue en Libye, le Dieu des Arabes qui vous vendent au Liban, le Dieu des Arabes qui n'ont rien à faire avec vous en Arabie Saoudite. Mais c'est eux-là, vous louez. C'est contradictoire. Et c'est dommage. J'ai ma mission personnelle, celle d'apporter un changement et je l'ai fait. J'ai mon appel spirituel, celle de crier la vérité et je l'ai fait. J'ai dit, je dja. Petit là, je dja, j'ai fait. Tout ce qui brille n'est pas or. Mais la vérité de la Mamandombe, de la reine Zinga, de la féministe, de tous les féministes, la plus féministe de toutes les activistes, je dis, je suis unique. Paix ancestrale sur vous. Jésus n'est pas le Dieu des Africains. Oups, pardon. Il n'est pas le Dieu des Africains. As simple as that.
You can either take it or leave it. Jésus ne peut pas, Dieu ne peut pas, Jésus ne peut pas être Dieu. C'est peut-être un personnage, mais il n'est pas Dieu. Dieu est plus grand que ça. Un Dieu mortel, un Dieu qui a été torturé, un Dieu qui a été maltraité, un Dieu qui a été crucifié, la contradiction de ça. Vous dites bien, donc pendant votre aliénation là, qu'il est mort pour vos péchés, mais vous continuez à louer Dieu en longueur de journée. Vous continuez à souffrir. Il est mort pour vos péchés, mais vous continuez à mourir. Je n'ai vu personne qui a 500 ans. L'être humain est sur terre pour une période temporaire, bien limitée et indéterminée. Vous ne pouvez pas prétendre que vous louez en un, vous croyez en un Dieu qui a été mortel, battu, vendu, soi-disant, trahi. Il est mort pour vos péchés, mais c'est vous qui louez Dieu tous les jours. C'est vous qui priez encore tous les jours. C'est vous qui péchez tous les jours. Ça, c'est la contradiction. C'est la contradiction. Dites-moi en quoi ça vous profite d'aller au pèlerinage, dépenser 3 500 000 pendant que vos voisins à Dakar, pendant que les villes là-bas au Mali manquent de tout, pendant que le nord du Cameroun manque de tout, les écoles sont vides, vous n'enseignez rien. L'Africain n'a rien en main, seulement le Coran et la Bible. L'Africain n'a rien en main, seulement le Coran et la Bible. Les Chinois se font des millions au Cameroun. Les Libanais ont trouvé leur Eldorado en Côte d'Ivoire. La France a élu domicile en République centrafricaine et au Mali. Le Sénégal est le porte-monnaie de la France. Et vous vous revendiquez africain. Vous revendiquez panafricaniste. Et vous vous courbez devant le Dieu de quelqu'un d'autre. Paradoxal. Nonsense. Incredible. Contradictive. Incompréhensible. Écœurant. Quel gâchis. Activiste panafricaniste. Et tu jures sur la Bible. Activiste panafricaniste. Et ton livre de chevet, c'est le Coran. Quelle bêtise. Et Malcolm X a commis la même erreur. Martin Luther King a commis la même erreur. Nos leaders, les Sékou Touré, ont commis la même erreur. Nous voici aujourd'hui. Point de départ. L'unique activiste africain, l'unique politicien, l'unique leader africain qui a reconnu que le mal, le problème, la gangrène africaine, c'était la Bible et la croyance. C'était Steve Biko. Détachez-vous. Sortez de là. Rompez les liens. Allez vers Dieu. La spiritualité, la religion n'est pas Dieu. La spiritualité est divine. Et c'était ça la force de l'Afrique. La crainte de Dieu, ce n'est pas dans des églises et des mosquées. Ce ne sont pas des prières, les sourates et les versets qu'on récite en longueur de journée. Dieu, c'est dans les actions. Dieu, c'est dans la crainte et ta lignée ancestrale. Dieu, c'est ton histoire, ta culture, ta spiritualité et ton identité spirituelle. Dieu, là, ce n'est pas à Bethléem. Vous n'avez rien, vous n'êtes pas connecté. Vous n'avez pas le même ADN. Vous n'avez pas la même charge magnétique. Vous n'avez pas les mêmes éléments géopolitiques, géospirituels. Vous n'avez pas la même connexion Wi-Fi. Vous n'avez pas les mêmes données spirituelles. C'est une grosse erreur, c'est une grosse bêtise. Lisez quoi? Au-delà de ce que vous incarnez, il y a quelque chose qui m'attire. C'est votre côté très sensible. Vous avez beaucoup de luttes dans votre vie, mais vous avez tenu jusqu'ici. Dieu doit combler un vide que je ressens profondément en vous. Dieu doit combler un vide. Mamie Daniel, réserve. Dieu doit... Tu es quoi, voyante?
Tu suis les Macrosso et les Tsunasi. Dieu doit. Tu viens me faire une lecture ici, une prophétie ici. Dieu va me combler. Je me sens vide. Je me sens profondément vide. Toi, tu es comblé. J'attends quoi de Dieu? Je suis quelqu'un comblé. Quand tu me regardes là, je peux être vide avec quoi? J'ai beaucoup d'amour à donner. Je suis la réincarnation même des ancêtres. Dieu va me donner quoi? Je suis comblé. Tu veux que Dieu me donne quoi? L'argent? Je fous quoi avec? Je suis pas pauvre. La beauté, j'en ai. L'éloquence, j'en ai. La santé aussi, j'en ai. Même la richesse, c'est un état d'esprit. Quand tu dis que je suis vide là, accoucher comme toi, on a dit qu'accoucher, c'est la fin du monde. On a dit que se marier là, c'est une fin en soi. Quand tu dis que je suis vide, vide par rapport à quoi? À l'heure où je te parle là, certaines sont couchées à l'hôpital. Elles suivent la chimiothérapie. Elles ont l'alopécie. Elles ont l'insuffisance rénale. Tu as dit que je suis vide, vide par rapport à quoi? Pendant que je parle là, certaines personnes ne savent même pas où sont leurs parents. Perdus. Tu dis que je suis vide, vide quoi? Toi, tu as accouché là, tu n'es pas vide. Toi qui es marié là, il n'y a pas de vide en toi. Tu sais pas qu'il y a des femmes qui ont accouché, mais c'est même leurs enfants qui les a tués là. Tu sais pas qu'il y a des enfants qui abandonnent leur mère, comme les vous là. Vos parents, vos arrière-grands-pères qui vous ont accouché, vous les avez abandonnés, vous êtes dans des églises. Bon nombre d'entre vous ne connaissent même pas la tombe de leurs ancêtres. Vous ne connaissez même pas l'histoire de votre arrière-grand-mère. Tu me dis que je suis vide, une femme comblée émotionnellement, que Dieu va me donner. C'est Dieu qui me permet de me sentir à l'aise et de me mettre devant vous et de m'exprimer. Je suis comblée émotionnellement, affectivement, financièrement, socialement. D'accord? Je suis la fille de Kamwa, l'un des premiers milliardaires du Cameroun, l'homme qui a porté le nom. Et j'ai son sang et son regard. Je suis la petite fille de Sékou Touré. J'ai la fierté de Kadhafi. Tu dis que je suis vide? Tu sais comment est mort Kadhafi dans le désert? Il ne croyait pas en le dieu de la Mecque là. Encore, je suis vide. Vide par rapport à quoi? Vous savez à qui vous parlez? Allez faire votre prophétie loin. Vide par rapport à quoi? Même Macrosso a enterré sa femme, Bahabie là. Vide? La maman d'homme est vide. Donne-moi ton compte, je te fais un transfert. Donne-moi ton compte. Je te fais e-banking. Internet banking. Je t'envoie les livres sterling. L'une des monnaies les plus fortes du monde. Daniel, elle me dit que je pense que tu es idée dans. J'ai dit, prends même ma part. Si tu peux épouser deux hommes là, tu prends. Si tu peux accoucher tous les enfants de la terre là, tu prends. Si tu peux avoir tout l'argent du monde là, je te donne. C'est ce que vous allez chercher à l'église, non? Vous priez pour les enfants, vous priez pour l'argent, vous priez pour le mariage, vous priez pour la guérison. Génétiquement, générationnellement bête. Générationnellement bête. Quel gâchis! Tu vois, tu parles de Kagafi et quoi, hypocrite. Français, oh, vous ne parlez pas. Djoulaou, oh, vous ne parlez pas. Pidgin, vous ne parlez pas. J'ai dit, je dja. Petit, je dja. Voilà. L'Afrique est la puissance mondiale de la prière. Pendant que les autres continents évoluent, se développent sans cesse, ce sont des puissances économiques et technologiques. Ils sont dans les puissances, le développement des versets bibliques. Au nom, ils se mettent sur Facebook pour télécharger l'argent dans leur compte. Des pasteurs et des malhonnêtes, des brouillons, des hommes qui n'ont rien fait de leur vie. Des noirs profiteurs, ils viennent télécharger l'argent en direct. Mettez votre carte bancaire là. J'ai une prophétie pour vous. Je vais remplir votre carte bancaire et vous croyez. Et des morpions comme ça viennent me dire que
Ils sentent le vide. Le vide dans quoi? Est-ce qu'il y a mon Dieu? Je suis unique à mon genre. Je suis la réincarnation de nos ancêtres pour que la vérité soit établie. Il n'y a pas mon Dieu, nulle part ailleurs. Et je fais mon bonhomme de chemin. Il n'y a pas mon Dieu et je fais mon bonhomme de chemin. La bêtise, c'est vous. J'ai dit, je dja. Petit, je dja. Pas les bavardages, je dja. Pas des histoires de bavardage en longueur de journée. Je dja. Je suis votre pire cauchemar et je sais. Je suis le cauchemar de certaines femmes frustrées. Des femmes qui poirotent et qui périssent dans la polygamie. Des femmes qui sont tellement un mal-être. Qui n'ont pas un sens d'existence. Qui n'ont aucune fierté. Cachées derrière la polygamie. Femmes objets. Femmes poupées gonflantes. Femmes vides couilles. Vous sentez un vide dans qui? Vous avez dit que je peux accepter la polygamie? On vous a dit que je peux accepter être second, l'objet de quelqu'un? Il n'y a que des vrais hommes pour épouser des femmes de caractère. Les hommes de principe se donnent de la valeur. Les hommes de principe montent leur cote en bourse. Des hommes de principe ne se distribuent pas. Il n'y a que les buy one, get one free, les mélangés là, les vra-vra, les mélangés de partout là. Les placaliers en désordre là. Les mangeurs de foutou, 10 boules de foutou là. C'est eux là qui sont dans la polygamie. Il dit les mangeurs de mafé et de tchéboudjem en longueur de journée. Ils ont chosifié la femme. Elle devient leur objet. Elles sont comme une sorte de quoi? De ferme. On les élève. Fadima, tu as les grosses fesses. Kadia, tu as les gros seins. Ndedi a les belles dents. Des hommes polygames qui ne savent même pas ce qu'ils veulent. Dis-moi qui tu épouses et je dirai qui tu es. L'homme polygame, c'est un bipolaire. L'homme polygame, c'est un mytho. L'homme bipolaire, c'est un masochiste. C'est un homme qui n'a aucune fierté, aucun charisme, aucune lecture. C'est un homme qui en manque. Qui est comment on appelle ça encore? Low self-esteem. Il n'y a que vrai homme là. Pour regarder une femme en face. Il n'y a que vrai homme. Pour épouser une seule femme. Et dealer avec les réalités. Les polygames, ce sont des personnes immatures. Opportunistes. Jouisseurs. Occasionnels. Ils n'ont rien dans la tête. Tout dans le pantalon. Aucune réalité. Aucun objectif. Des vagabonds. Des papillons. Des coqs en chaleur. Bien dit, le volume est bon. J'ai dit, je dja. Il n'y a que des femmes désespérées. Des femmes qui n'ont aucun amour propre. Aucune fierté. Aucune vision. Et va les voir. Trois enfants, trois pères différents. Cinq enfants, cinq pères différents. Elles sont instables émotionnellement. Elles n'ont même pas la qualité d'homme qu'elles veulent dans la vie. Elles n'ont même pas de principe. Tu lui demandes, là, ton genre de mec, c'est lequel? C'est quoi ton projet émotionnel? Elles n'en ont pas. Et c'est vous, là, qui venez bavarder sur le baobab. Je suis votre camarade. Les nouilles, là, il n'y a pas d'eux. Je dis, je dja. Ferme même dans mon choix. Radicaliste. Charismatique, imposante, exigeante, parce que I deserve the best in life. J'exige même sur le plan relationnel. Je sais le pourquoi et le comment et je reste. Je ne fais pas dans le dernier marché, venez me tromper. Je ne suis pas désespérée. Je suis une femme stable, satisfaite, satisfaisante, accomplie. Faites attention à une femme qui ne va pas dans les églises. Qui croit en Dieu et qui parle avec Dieu. Vous avez des ventrues, exhibitionnistes, vadrouilleuses, des femmes qui ont des fuites, des femmes sans caractère, sans aucun principe, sans aucune fierté, qui partent de lit conjugal à lit conjugal.
Une femme avant 45 ans, elle a fait 5 mariages. Avant 40 ans, tu as fait déjà, tu as 5 enfants avec 5 pères différents. Et tu t'appelles quoi? C'est quoi ton domaine de définition? Where are you? Who are you? À 25 ans, tu es dans un couple polygame, polygamique, or whatever you want to call it. Nonsense. Idiote. El Karim dit quoi? Les chiens viendront dévorer ton cadavre dans les Londres. Je m'en tape. Au moins, toi-même, tu es mortel. Je m'en fous. Mon corps est spirituel. Je fais quoi avec le reste? La chair, là, c'est rien. Ce que je travaille, là, c'est l'émotion, c'est le spirituel. Il n'y a que des perdus comme vous qui croyaient que la vie éternelle existe. Même Jésus lui-même, là, il est mort à 33 ans. Babiel, il était marié. Il a laissé des enfants bouffons. J'ai dit, les femmes comme moi, il n'y a pas d'eux. Et j'aime la femme que je suis. J'aime la guerrière que je suis devenue. Becoming mamandombe. Caractérielle, dynamique, visionnaire et toujours juste. La logique et la constance dans ses idées. Les hommes politiques, là, il n'y a pas mon d'eux. Bavarder tous les jours, marcher en longueur de journée, vadrouiller d'église en église, chanter à tue-tête, appeler Jésus comme n'avait jamais vu. Connerie. Je suis purifiée par le sang de ma grand-mère. Je suis la fille de son père et la petite-fille de mes ancêtres. Ma divinité africaine. Et je collabore avec Dieu. Je dis le Dieu de Jésus. Si vous vous louez Dieu, vous louez Jésus là. La mamandombe, la petite fille de Sundiata Keta. Jésus qui est fils de Dieu, je ne deal pas avec Jésus. Je deal avec Dieu directement. Le volume est bon. Si vous êtes au premier niveau là, moi je suis avec l'ascenseur au ciel. Cochonnerie là. Je dis, le volume est bon. Vous louez le fils de Dieu. Mais moi là, je dors avec Dieu. Cochonnerie. Petit. Je dja. Spirituellement même, je dja. Émotionnellement là, je dja. Vous attendez, vous me verrez un jour dans vos lieux de fabrication de cons. Je peux attendre que quelqu'un prie pour moi. Vous allez prier pour moi, on a les mêmes doléances. Nous avons les mêmes présentations, les symptômes. Nous avons les mêmes présentations cliniques. Vous allez prier pour moi là. Vous demandez à un escroc, des macrosos ambulants, avec la gueule aussi large, on dirait une sorte de dromadaire. Des gars qui existent virtuellement. Des désespérés, des mendiants émotionnels. Qui s'accrochent derrière le désespoir d'un peuple. Les Tunasi là, ils tiennent quel discours? Je dis, nous là, on a signé des papiers. Des vadrouillards suivis par des moutons. Viennent challenger l'élu des ancêtres. Vous louez Jésus, mais moi, je parle avec Dieu. C'est bon? Et je ne vais pas à la Mecque. Je n'irai jamais à Bethléem. L'africanité, la spiritualité africaine, là, on deal avec le boss. Et vous allez voir les employés de Dieu, les messagers de Dieu. Connard! Nous sommes à la présidence, la divinité de ça. Croyant qui vous voulez dégager dessous le baobab. Connerie. Dégage dessous le baobab. Et tu crois en Jésus depuis où? Bouffon. Dans tes maisons, sûrement quelque part perdu. Si tu es en Europe là, dans un HLM, mendiant et priant en longueur de journée pour les papiers, priant en longueur de journée pour le mariage, les désespérés. En attendant que l'Allemagne tombe du ciel. Depuis que tu pries Jésus, là, tu as tapé ta carte au mur, l'argent est sorti. Connerie, là. Dégagez dessous le baobab. Bête comme rien, là. Je le bloque d'abord, il me fatigue. Connerie.
Je dis, je dis, je dis, je dis. Ida Makita dit que je suis vraiment très belle. Ça aussi, je sais. Je dis. Malheureusement, ça aussi, je sais. Et ça dérange beaucoup. Ça aussi, je sais. Je suis indétrônable, intransigeante. On ne me fait pas marcher. Et respecter les gens qui ont vécu. Je suis une femme spirituellement stable. Ma force, c'est comme le tsunami. Ma force là, c'est comme le tsunami. Passe-moi. Tata Vivi, la petite fille de Sundiata Keta, bien sûr, you can say that again. Edwige Mamita, c'est comment? Je passe une bonne soirée sous le baobab. Oui, comme d'habitude, unique, nulle part ailleurs. Vous ne trouverez pas mon pareil, unique en mon genre. Second to none. Je ne fais pas dans le suivisme. La femme qui assume ce qu'elle dit, pense ce qu'elle dit, la femme qui s'est réalisée et la femme qui s'affirme. Je dis, il est temps que les femmes africaines, vous changez de vie. Vous vous retrouvez avec vous-même. Votre ennemi, c'est vous. Et assumez vos échecs. Et il n'y a qu'une divinité pour venir vous dire la vérité. Sortez des églises. Réalisez-vous. Ne devenez pas, ne restez pas éternellement des suiveuses. Il n'y a que des suiveuses qui veulent être influencées. Il n'y a que des suiveuses qui attendent l'approbation de certaines personnes. Mais quand vous avez atteint le pic, le sommet de l'existence, il n'y a pas votre deux. Ni le mariage, ni les enfants, ni les followers, ni le nombre de vues. D'ailleurs, il n'y a que des égarés qui veulent se confirmer virtuellement. Sinon, des personnes avec substance là, des personnes avec vision là, des personnes avec lecture là, ils n'en ont rien à cirer. Rien à cirer. Des perdus, oui. Des personnes en manque d'affection, oui. Des femmes qui vivent avec le regret, oui. Encore. Je sens qu'il y a le manque. Le manque de quoi? Une femme comblée. Née en 1er décembre. Avec elle, même mon partenaire de vie. Il est né le 31 décembre. J'ouvre et lui clôture. Épouse d'un jumeau. 1m95. Charismatique, baraqué, imposant. Noir chocolat. Le tsala de ma vie. Le volume est bon. Et bien, ils viennent là. Dégarés. Dans des relations sans sens. Les Jeannes, où es-tu? Jeannette, où es-tu? Odile, où es-tu? Vos femmes malheureuses là, qui vous salissez la beauté de la maman Africa. Vous avez vu les femmes africaines mendiantes? En manque d'amour, en attendant le tout avec un polygame, un ventru, frivole, qui couche à volonté, qui se fait chouchouter. Un homme digne n'a pas le temps à perdre. Compte vide, pantalon troué, casier judiciaire plein. Socialement, tu n'es rien. Polygamie dans les HLM. Polygamie dans la location. Vous êtes des sous-hommes. Alignez-vous sous le baobab. Faisons de la féminitude et du féminisme panafricaniste. D'accord? Je dis, la féminitude africaine, le féminisme à l'africain. Il y a certains moutons qui disent qu'on épouse les femmes soumises. C'est justement la soumission qui a poussé Marie à accoucher sans père. La soumission a poussé Marie à porter la grossesse. C'est la soumission
Qui vous a poussé à aller dans des mosquées et des églises et vous taire à longueur de journée? C'est justement la soumission qui a permis aux colons de venir occuper nos terres. La soumission en Afrique du Sud avec les Boers. La soumission au Cameroun avec Biya. La soumission au Sénégal avec Macky Sall. La soumission en Côte d'Ivoire avec Ouattara, bouche tordue, pantalon sauté, assassin. La soumission au Togo avec Fonia Simbe. La soumission au Gabon. La soumission au Congo, Brazzaville. La soumission est votre mort. Vous attendez que la maman Ndombe vienne courber les chines devant des moutons? Je suis unique à mon genre. Je ne suis pas suivi, je suis vu. Et estimez-vous heureux. La différence d'hier devient la référence d'aujourd'hui. La femme dont la voix vibre depuis le baobab ancestral. Je dis, et dans ses plats aujourd'hui, elle a les épices ancestrales. Le volume est bon. Petit, je dis, on épouse les femmes soumises. Les femmes quoi, corbeilles? Les femmes quoi, poubelles? Qui sont incapables de challenger leur mari? Qui sont incapables de murmurer à l'oreille du mari? Elles attendent leur tour. La promiscuité sexuelle? Les maladies sexuellement transmissibles? I'm second to none. Les femmes africaines, les vraies Nubians, les reines Zinga, les Okoye dans Black Panther, des visionnaires, la mère de Sundiata Keita, le volume est bon, la mère de l'humanité, vous vous asseyez chez un ventru, ronfleur toute la journée, vous attendez qu'il fasse le tour de toutes les chambres et qu'il vienne à son tour coucher avec vous. Et vous venez parler sous le baobab. Le féminisme, c'est le propre des femmes blanches. Quelles femmes blanches? Les femmes blanches n'ont même pas de personnalité. Vous pouvez entendre une femme blanche avec ma corde vocale, avec la vision que j'ai, la force que j'ai, porter mon africaineté, assumer ma négritude et parler au nom d'Aimé Césaire. Petite, je dis bien, je dis. Je suis votre pire cauchemar. Je dis, il n'y a pas mon deux. Ce que je déplore, c'est votre passif, votre suivisme, votre passivité. Vous êtes des flocs. Vous êtes des loques. Vous êtes amorphes. Des tas de graisse, inertes, inactifs. Certains vont peut-être se réjouir. Tu n'as plus de followers. Ceux qui ont eu des followers, là, ils ont fait quoi? 1 million de followers, suivis par des moutons, sans aucune idéologie, sans aucune fierté. 1 million de followers, des polygames et des mères de 5 enfants, des polygamés et des polygamiques, des repris de justice, sans aucune réussite en Afrique. Même s'il fallait faire le bilan de l'activisme, là, aujourd'hui, vous avez quel activiste, quel influenceur? Dites-moi ce que vous avez fait, je dirai qui vous êtes. Nonsense. Dites-moi qui vous suis, je dirai qui vous êtes. Dites-moi qui sont vos followers, et je dirai qui vous êtes. Sous le baobab, là, avant d'arriver, les gens portent le pantalon. Il y en a qui se déchaussent. Il y en a qui serrent la ceinture, parce qu'avec moi, ça décolle. Je ne vous caresse pas dans le sens des poils. Je n'attends aucune approbation de vous. J'ai dit, je dis. Petit, je dis, il n'y a pas mon deux. Et j'adore cette tenue symbolique, le tour du monde. Je l'ai portée la première fois quand j'allais rencontrer la maman de ma terre, ma divinité à moi, Simone Barbo. Les Amazones du Bénin étaient féministes. Les femmes qui ont protégé Béanzin étaient des féministes. Les plus grands hommes politiques étaient des féministes. Ok? Pas vos histoires d'aujourd'hui. La place de la femme africaine, c'est à côté, aux côtés de l'homme. Aux côtés de qui? Des ventrus, repris de justice, palmarès, bilan zéro, suiveur générationnel, grand-père suiveur, petit-père, grand-arrière-grand-père suiveur.
qui viennent avec des théories fondées sur je ne sais moi trop quoi. Et comme avait dit Donald Trump, vous savez seulement danser et baiser. Pardonnez mon anglais. Ou encore taper dans les balles. Ou chanter à tue-tête. Écotité, écotité, écotité en longueur de journée. Justement, écotité. Écotité, ça n'entre pas. Ça ne prend pas. Bête comme jamais. Et l'okoyo, c'est vous. La chose est là. Opportuniste. Individualiste, narcissique, bipolaire. Et ceux qui ont un peu... Vous allez voir un peu, vous allez voir avec moi. Hein. Ceux qui font dans la partouze, qu'ils appellent ça la polygamie, là. Les pauvres Africains sont des polygames. Parce qu'ils se consolent entre les jambes des Fatimata, des Kadiatou. Mais allez voir les riches. Les riches footballeurs africains. Ils partent épouser les Hélènes. Et les pauvres mendiants du quartier, les ramasseurs de balles de l'activisme, ils ont 5 copines. Ils alignent les femmes. Leur succès, c'est la couleur des cuisses, l'épaisseur des fesses et la rondeur des seins. Palmarès des opportunistes ventrus. Le volume est bon. J'assume chacune de mes paroles. Je pense ce que je dis et je dis ce que je pense. Je dis, Yodja. Je dis, oh, Yodja. Et avec moi là, je ne vous gère pas. Aucunement. Venez voir les combattants gabonais crier à tue-tête dans les rues de Paris. Il n'y a pas un seul pavé à Trocadéro là. Vous n'avez pas vu. Mais Ali Bongo gère toujours. Personne ne peut se lever et dire mais something is wrong somewhere. Vous chassez Ali Bongo et vous allez vous coucher derrière les Bibles. Vous chassez Ali Bongo et vous allez dans les mosquées. Quel gâchis. What a waste of space, waste of time, waste of resources. Useless people. Followers by nature, followers by name. Followers by nature, followers by name. You were born that way, followers. Changez vos noms. 2021 in 2 hours. Dans 2 heures là, 2021. Vous êtes, et c'est un mouton qu'on continue à mettre. Mettons-nous ensemble pour chasser. Chasser Biya. Biya est là jusqu'en 2027. Même s'il n'est pas là, vous ferez quoi? Moutonnerie de consommateurs. Moutonnerie de consommateurs. Au tchap, tchap. Au tchap, tchap. Sortie des chansons à la con. Au tchap, tchap. Allez chasser Biya. Connerie là. Petit, il est déjà. Petit. J'assume. Ali Bongo et moi en octobre 2018. Dégagé de sous le baobab. Il est mort et c'est le fantôme qui vous gère. Ali Bongo est mort là. Le Jésus que vous louez en longueur de journée. La Mecque où vous partez en longueur de journée. Pourquoi Jésus n'a pas libéré le Gabon? Babriel, réciter les sourates et les versets en longueur de journée. Encore, la spiritualité africaine, c'est quoi? Ali Bongo est mort. Même si Ali Bongo était en vie, là, vous allez choquer sa bougie. Vous allez choquer la bougie d'Ali Bongo. Allez choquer la bougie d'Ali Bongo. Ça fait quoi si je pousse la brouette? Appelez-moi bébé, dis donc. Ça fait quoi si je pousse la brouette en bocada? Voilà le rêve d'un homme du 21e siècle. Il pousse la brouette. C'est quoi? Si tu deviens quoi dans 5 ans? Je serai pousseur. Je vais faire les ongleries. Je vais développer. J'aurai les followers sur Facebook. Et je vais mendier de vivre des laitiers. Moutonnerie. Activisme zéro. Followers, vous en avez même, vous ne chassez personne. Et c'est vous qui venez vous comparer à moi, sur votre égal. Même avec un seul followers, il n'y a pas mon deux. Connerie là. Je sais ce que je vaux et je vaux ce que je vaux. Bouffonnerie là. Péri, je dja. Péri, oh, je dja.
Quelqu'un dit quoi? Tu bavardes trop pour rien dire. Une mère comme moi, j'assume. Toi, même à mon âge, on vient bavarder. Tu es incapable même d'avoir un vrai profil. Clin d'œil, mouton, bâtard même virtuellement. Enfant sans père virtuellement ou fille sans père. Pointu 45. Fille sans père. On arrive sur là, on met les pères, là, on me dit enfant inconnu. C'est toi, tu vas me parler? Va assumer au moins ton truc. Va bien là. Respectez ceux qui ont vécu. La prochaine fois, je vous manque le respect. Petit. Serge Beno, tu as compris non? Tu y as non petit, tu y as. Ah petit, faut pas avoir peur, y a longtemps on est dedans. Kevin comme un go. Respectez ceux qui ont vécu, petit. Déjà. Oh. Petit. Déjà. Et petit. Déjà. Petit. Déjà. Maman nombre. La petite fille de Soudia Taketa. La femme au pluriel. Petit. Envoyez mon maker. Tout le monde. Petit. Oh, j'adore les sons. J'adore le son. J'adore le son. J'adore. Allez, tu dis, tu vois, non? Je confirme que tu dis. Je vais écouter ma belle mélodie là. Et on va clôturer la rencontre sous le baobab. Rendez-vous demain, je vais faire le ndolé. Je vais faire du ndolé. Je vais faire un ndolé ancestral demain. Je fais un ndolé ancestral. On écoute Ekou Aimé, j'adore personnellement. Parce que c'est une musique africaine. Ekou Aimé, you are the living God. And there's no one like you, ok? Et je dis, oh, croyez en Dieu, sortez des religions. Dieu au-dessus de tout. Aïe, j'adore cette chanson personnellement, personnelle. On écoute Dieu Ekou Aimé et on finit en beauté. Paix ancestrale sur vous. Attendre. Dieu attend que vous l'appelez. Mais vous louez le mauvais Dieu. Dieu attend que vous l'appelez pour qu'il vous donne, surtout les Africains là. Laissez les Juifs avec leur Dieu. Laissez les Arabes avec leur Dieu. Appelez le Dieu de votre mère. Appelez le Dieu de votre grand-mère. Je n'ai pas dit votre grand-mère, son Dieu. Si vous êtes capable aujourd'hui d'aller louer Jésus en longueur de journée, lui-même qui est déjà mort, vous pouvez louer vos ancêtres à travers, avec les louanges. Vos ancêtres sont les porteurs de paroles. Vos ancêtres sont les câbles. Vos ancêtres sont les codes de téléphone. Vos ancêtres ont les mots de passe. Appelez-les, vous serez comblés. Frappez à la bonne porte, vous louez les mauvais dieux. Vous perdez votre énergie, votre égrégore. Le Dieu de ta mère, même si tu ne t'entends pas avec elle, pense à ta grand-mère, elle va plaider ta cause. Le Dieu qui connaît ton ADN spirituel, le Dieu qui a le code de génétique, le Dieu qui connaît tes chromatides, le Dieu qui connaît ton sexe, le Dieu qui connaît ton génome, le Dieu qui était là pendant la division cellulaire, le Dieu qui était là avant que tu ne sois même humaine, c'est le Dieu de ta terre. J'assume ma position, je porte mon fardeau et je vous dis paix ancestrale depuis le mont Kilimandjaro. J'ai retrouvé ma spiritualité à moi, j'ai retrouvé ma stabilité émotionnelle, j'ai reçu mon panier de bénédictions. Personne n'intercédera ma prière si ce n'est peut-être ma mère, si ce n'est ma grand-mère ou mon grand-père. Aucun autre Dieu, aucune religion,
aucune autorité spirituelle, aucun prophète ne pourra plaider ma cause. Je connais ma douleur et il me donnera selon mon désir personnel. Il est le Dieu chirurgien. Il est le Dieu ophtalmologue. Il est le Dieu orthopédiste. Il est le Dieu pilote. Il est le Dieu ingénieur, le Dieu financier, le Dieu politique, le Dieu économique, le Dieu de l'ingéniosité, le Dieu de la créativité. Sortez des églises, ça vous aliène, ça vous enchaîne, ça vous limite, ça vous empêche, ça vous abrutit. Explorez la divinité africaine. Explorez l'aventure spirituelle de la Mamandombe. Il n'y a rien de plus beau. Ne soyez pas panafricaniste seulement, pas à géométrie variable. Il n'y a pas de panafricanisme si vous ne louez pas le Dieu de votre terre. Il n'y a pas de panafricaniste musulman et de panafricaniste chrétien. J'assume chacun de mes propos et cette vidéo, je la garde. Je porte mon nom et je suis ma spiritualité. Mon identité culturelle, c'est ça qui compte. Mon identité spirituelle, c'est ma survie. Et j'assume, il n'y a pas de Black Lives Matter. Il n'y a pas de cause noire qui tienne. Si ce n'est le retour, si ce n'est frapper à la porte de nos ancêtres et qui nous mène vers Dieu. Prêtez allégeance à notre terre et rompez votre aliénation, vos stupidités dans des églises et vous attendez, vous n'êtes jamais reçu. J'assume, appelez-moi la petite fille de la terre ancestrale, la fille des collines et des montagnes. Bénédiction ancestrale sur vous. Paix. Abondance. Compassion. Générosité. Et c'est à chacun de recevoir. Je ne fais pas dans les miracles fabriqués. Demandez à ces prophètes-là de mettre de l'ordre dans leur vie. Qui se trouve de travail? Des chômeurs. Encore, je passe la journée à prier. J'ai une bénédiction pour vous. Demandez-leur d'aller prier pour les autres. D'aller vider les comptes en Suisse. D'aller à Bamako. D'aller à Monaco, pardon. Encore, Bamako. Qu'ils aient à Monaco, qu'ils aient à Monte Carlo, vider là-bas qu'on les paye. Vous venez mendier dans la prière et vous racontez des sornettes. J'assume chacun de mes propos. Je balance la... J'ai dit, vos ancêtres vous attendent. Faites appel à eux. Ils connaissent vos problèmes. Parlez en votre langue. Parlez brababababa. Ils ne parlent pas de ça. Parlez rachadadadé. Ils ne parlent pas arabe non plus. Ils ne parlent pas arabe non plus. J'assume chacun de mes propos. Parlez à la langue maternelle. Retirez-vous dans un coin de votre maison. Retirez-vous en brousse dans un désert. Dans un coin calme et connectez-vous avec le Dieu de votre terre. Connectez-vous avec le Dieu de vos ancêtres qui n'attend que vous. Il attend vos doléances. Il a son numéro comme ça en main. Vos ancêtres ont leur numéro en main. Ils attendent que vous appelez. Ils ont des cadeaux de fin d'année à vous donner. Ils ont la bénédiction annuelle à partager avec vous. Mais vous allez frapper à la porte des autres. Vous mendiez le reste de déchets de table. Je dis... Que Jésus reste chez les Juifs. Et que les autres, comment on les appelle encore? Et que le Dieu de l'Arabie Saoudite reste en Arabie Saoudite. L'Afrique n'est pas en Arabie Saoudite. J'espère que le volume est bon. Et que j'ai été assez clair. Loue le Dieu du Sénégal. Adore la terre du Sénégal. Agenoue-toi sur la terre au Cameroun. Parle à ton Dieu au Bénin. Frappe à la porte de ton Dieu au Congo. Tu ne peux pas vivre au Congo, ni au Congo, et tu attends que la résurrection ou le salut vienne de Bethléem et de Nazareth. Ça, c'est l'usurpation, la grosse bêtise. J'assume chacun de mes propos. Je dja, spirituellement aussi, je dja. Vous ne pouvez pas vivre au Congo et attendre qu'un Dieu qui est israélien vienne vous libérer. Le volume est bon. Vous ne pouvez pas être à Garoua, à Yagoua, à Bertois. Vous attendez qu'un Dieu vienne de la Mecque, de Dubaï. Ça que c'est un Dieu raciste.
un dieu du Liban. J'assume chacun de mes propos. Et je ne respecte qu'une seule autorité spirituelle, celle de mes ancêtres. Les plus grands activistes, les plus grands leaders ont commis la plus grosse bêtise en allant s'agenouiller devant la Bible. La Bible n'est pas africaine. Le Coran n'est pas africain. Le franc CFA n'est pas africain. Le français n'est pas africain. L'anglais n'est pas africain. L'arabe n'est pas africain. Retournons à nos cultures. Assumons notre africanité. Et portons sur nous là, le manteau des guerriers. Pas des opportunistes affamés, aliénés, qui attendent qu'on leur fasse des virements en longueur de journée. Le volume est bon. Le volume là, est-ce qu'il est bon? Un leader ne peut même pas être polygame. Un leader qui est partagé dans toutes les lits, dans tous les lits, on le voit entre les jambes de toutes les femmes. Un leader doit se protéger. Un leader doit avoir un idéal de femme, un rêve de femme. La version féminine, je dis son idéal de femme, c'est bon? Les polygames là, sont des insatiables, perdus, sans goût, émotifs et réactifs. Ils n'agissent jamais, ils réagissent. Dès que ça passe devant eux, là, c'est debout. Mais les hommes qui ont épousé des femmes de caractère comme nous sont des hommes de principe. Des femmes qui ont porté leur destin, qui ne sont pas prêtes à se mettre en couple avec Jean aujourd'hui, en un an, elle a trois copains. C'est de l'instabilité. C'est du bordel. C'est une sorte de débrouillardise. Cacan creux. Le vacarme. Le volume est bon. En un an, tu as trois copains. Qu'est-ce qui n'a pas marché? En trois ans, tu es enceinte de trois hommes différents. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu es incapable de gérer une relation? Tu es incapable d'être stable? Tu n'as pas de projet? C'est quoi ton projet? Aller d'homme en homme, là. C'est connaître le plus de champignons possible. C'est coucher autant de muscles possible. Tu laisses tes traces partout. Ton ADN, c'est partout. Ton odeur, c'est partout. Tu es quoi? Dépotoir? Poubelle? Carrefour public? Tu es quoi? Barbès? Tu es quoi? La gare du Nord? J'ai dit, oh, tu es le marché de Bamako? Petit, je dis. J'ai dit, tu es à Yopougon là? Partout, on te voit. Partout, on t'entend. Ton caleçon, fait quoi chez moi? Et l'autre arrive, ton soutien, fait quoi chez moi? Arrêtez avec des bêtises. Rejoignez la maman Ndombe dans la lutte, la panafricanisation de la femme africaine, la féminisation de la lutte, la féminitude pour le féminisme panafricaniste. Le volume est bon, le mouvement est lancé, la force est là, la rigueur est là, l'orgueil aussi. On mérite la femme africaine, elle ne se couche pas. Les grands hommes d'affaires, les grands hommes politiques, les grands décideurs de ce monde, s'ils n'aiment plus sa femme, ils divorcent, ils n'accumulent pas, ils n'amassent pas. S'ils ne l'aiment plus là, ils divorcent. C'est pas un tort. Même Prince Charles ici s'est débarrassé de Lady Diana. Il n'y a que des indécis. Des hommes qui tergiversent, qui sont comme des pirouettes là. Fadimata, il est là. Clarisse, il est là. Honorine, il est là. Pharaon, il est là. Et des vieilles. Et ces vieilles jeunes, 20 ans, mariées à un homme de 72 ans. Quel gâchis. Quelle aliénation. 25 ans, marchées à un vieux croulant qui sent déjà la vieillesse avec une haleine le matin qui ronfle toute la nuit pour le bateau. À 25 ans, tu épouses un vieux. À 35 ans, tu es derrière les jeunes garçons. Ça, c'est le monde à l'envers. J'assume chacun de mes propos. Féministe convaincue. La cause de la femme. Africaine, bien sûr. La maman Ndombe. Ma position intransigeante. Extrémiste, radicaliste. Appelez-moi bébé. Et j'aime quand je vous terrorise. J'aime quand je vous déracine. Je suis sûr qu'il y a certains ventus
du gros ventre petit caleçon, couché dans son canapé, et qui écoute le discours de Maman Ndombe, il se sent immaculé, il sent comment je le descends. Il n'y a pas honte pour moi, dis donc. Envoyez-moi mes cœurs et appelez-moi bébé. Petit, je dis. Il n'y a que des hommes, des vrais, des Nchala, des Kunta Kinte, des Thomas Sankara, des Béanzin, des Sylvanios Lempio, pour avoir des femmes à la Maman Ndombe. Nous ne sommes pas des déchets, nous sommes des qualités. Et on exige VIP. Petite, je dis. Envoie-moi mes cœurs et appelez-moi bébé. Petite, je dis. Il n'y a pas mon deux. Même le clash fait pas dans la popularité. Ou le populisme. Je fais pas dans le populisme. Je donne des ordres. Je donne des directives. Leader par nature, leader par nom. Petit, je dis. Je dis. Je dis. Oh, je m'aime. Envoyez-moi mes cœurs. Wilson T. Nana, multipliez-vous sur la terre. Oui, la production en masse. On dirait une chaîne de production. On dirait une chaîne de production. Distributeur de sperme. Un homme qui se respecte là, il ne couche pas. Un gars qui se respecte là, même sperme là, c'est rare. Parce que c'est son patrimoine génétique. C'est son héritage sur terre. Tu as légué quoi? J'ai laissé les enfants au Congo, en Suisse, en Allemagne, au Cameroun, au Tchad. Tu peux assumer? Profiteur. Les vrais hommes assument leur paternité. Ils sont le modèle pour leurs enfants. Pas des multiples enfants à gauche, à droite, en quête de troisième femme et quatrième femme. Vous vivez en location. Héritage que tu as laissé à tes enfants là. C'est peut-être les maladies. Héritage, richesse que tu as donné à tes femmes là. C'est la dette que tu laisses. Briseur de cœur. Je me dis, I can't even try là. J'ai dit, je dis. Petite, je dis. Et faites attention à une femme qui dit et qui sait qu'elle dit. Petite, je dis. Petit. Appelez-moi tata et envoyez-moi mes cœurs. J'ai déjà répondu. Allez, paix ancestrale sur vous, non. Je pense ce que je dis et je dis ce que je pense. Je suis une femme qui s'est réalisée, qui s'assume et qui s'affirme. Pas influençable. Inflexible et intransigeante. Caractériel. Je dis. Quand vous regardez même le profil de la Maman Ndombe, je dis. Ancestralement, je dis. Divinement même, je dis. Financièrement même, oh, je dis. Je ne peux pas m'agenouiller encore pour demander l'argent à Dieu. Il m'a tout donné. J'ai dit, je ne m'assois pas. Je demande l'argent à Dieu. Non! Je lui dis seulement pas chaud. C'est quoi le programme? Il y a quelle mission encore sur moi, pour moi sur terre? Encore à l'église le matin, midi et soir. Midi, matin, soir, mari, enfant, argent, abondance en longueur de journée. Levez-vous, allez travailler, chômeur. Uberisez vos idées. Multipliez l'argent. Imaginez un instant qu'on mette 10 moutons dans une église toute la nuit à prier. Et on met aussi 10 activistes. Formé par la Maman Ndombe, dehors en train de travailler. Le matin là, chacun rentrera peut-être avec 300 euros après un shift. Vous allez sortir de l'église, affamé, pauvre encore que jamais, dépressif et déprimé. Dépressif et déprimé. Vous êtes déjà allé à l'église rentrer avec 10 euros dans vos poches. Vous allez à l'église, vous devenez plus con. Vous rendez les pasteurs chômeurs, liseurs de Bible, crieurs dans les rues.
Tu fais quoi? Je suis pasteur dans les rues d'Abidjan. Tu fais quoi? Je suis pasteur, danseur de Zouglou sur Facebook. Tu fais quoi dans la vie? Je suis influenceur. Vous influencez qui? Moutonnerie, là. Vous influencez qui? Influencez d'abord votre vie. Le volume est bon. Je suis en mission sur terre. J'espère que c'est bon. Jerry, je dja. Péri, je dja. Pas les lol, je dja. Pas le bruit, je dja. Malheur pour vous, quand je dja, moi-même, je sais que je dja. Je dja au point où, moi-même, je sais, je dja. Bientôt, on reste 15 minutes, non? Il sera bientôt minuit en France. Minuit en Belgique. Minuit au Cameroun. Je reste 15 minutes et je vous souhaite la bonne année. Je peux chanter quoi pour vous? Spirituellement surtout. Des belles chansons spirituelles africaines. Hein? Des chansons qui n'ont pas de sens là. Je peux chanter quoi et... On peut faire notre prière sur... Oh... Je peux écouter quoi? On peut chanter sur quoi? Appelton Gachou, paix ancestrale sur toi. Dans quelques minutes, il sera 2000, on sera en 2021. Donnez-moi une chanson, aidez-moi là, une chanson que j'aime bien et que je peux back up avec ma voix. Hein. On a d'écouté du coup aimé. On peut écouter quoi? On peut jouer du quoi là? On peut prier sur qui là? Sur quelle chanson là? Oh, je veux pas des chansons où il crie trop les noms de Jérusalem. Et je veux une chanson où je peux facilement. Rola Hermana Mamouchka. Je peux écouter quoi? Hello people, can anybody help? Abafan, ah, on dit Abafan, comment ça? Comment on peut écouter Agathe, même Agathe, Agathe Moses, elle est trop. You are the Lord, that is your name. Je ne saurais être. Tu ne sauras être quoi, je ne sais pas trop. Oh, aidez-moi avec une belle chanson. Oh, on écoute Jérusalem alors. On finit la chanson, le live en beauté. On écoute Jérusalem parce que personne ne me... Capable God, is it from Africa? Who is that from? Capable God. La lumière africaine éclaire nous comme d'habitude. Paix ancestrale sur vous. Ok, je mets du Jérusalem. Jérusalem. Oui, Kayala, mais comme ça, nos ancêtres tiendront nos mains et vont nous accompagner en 2021. Nos ancêtres sont les personnes sur qui on peut compter et ils vont nous conduire. Ils défendent nos causes auprès de Dieu. Le volume est bon. Facebook va peut-être muter à un certain niveau. But we don't give a damn. We don't care. We don't care, do we? We don't care, même si Facebook mute, on s'en fout. Money doesn't grow on trees. Je connais ma valeur intrinsèque. It grows with Amazon. Ma valeur géopolitique. Hey! 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 Paris! Paris! Paris, je t'a. Paris, je t'a. Paris, je t'a. Hey! Vas-y, Nom Chembo! Jerusalem, je vais défier l'ennemi, ça je vous promets. Moi là, je vais défier l'ennemi. Moi, je vais défier l'ennemi seul, indéfectible, indétrônable.
J'ai besoin de mes ancêtres pour lutter contre le colon, contre les églises de l'aliénation. J'ai besoin de mes ancêtres pour m'inspirer, pour tenir en échec la France. Je vais libérer la République centrafricaine. J'assume féminisme. Le goût de ça. Encore le féminisme. Allez, on n'a plus que quelques minutes. Vous êtes prêts? Mettez-vous debout. On peut écouter encore quelle belle chanson pour entrer dans 2021. Je pense que c'est la meilleure chanson. Hein? Je pense que c'est la meilleure chanson. Je pense. Killing Me Softly? No. Je pense que c'est le best song. C'est Jérusalem. Hein? On demande à nos ancêtres de tenir notre main. Je vous envoie le succès du groupe de Master G qui a fit Nuchembo, Nomchembo. Je vous donne l'abondance, la popularité, le succès, la joie de vivre de Jérusalem. Je pense ce que je dis et je suis ce que je pense. Et je pense mieux quand je ne pense pas. Bienvenue sur ma terre. On écoute Jérusalem. On entre dans 2021 avec tous les... 2 minutes bientôt. Allez, le compte à rebours. Je sais que ma mère est là. Je sais que ma grand-mère m'écoute. Je sais que mon grand-père connaît ma douleur. Je sais qu'il va répondre à ma prière. Je sais. Je sais, je sais, je sais. De son vivant, il me donnait déjà tout. Combien de fois maintenant qu'il est au ciel? Prenez, prenez l'abondance, pardon. Winnie Mandela, j'ai besoin de ta force. Nelson Mandela, j'ai besoin de ta ténacité. Reine Nzinga, j'ai besoin de ton charisme. Kim Pavita, j'ai besoin de ta troupe. Kadhafi, j'ai besoin de ton orgueil. Lumumba, j'ai besoin de ta détermination. Hey! La fille Kamwa, la petite fille de Yomba, la fille du roi Tchakunte. Mes ancêtres viennent de Balengo et de Bazou. Je suis l'Afrique. Je suis l'Afrique, je suis l'Afrique, je suis l'Afrique. Je suis l'Afrique, je suis l'Afrique, je suis l'Afrique. Et je suis la chanson qui a pris le pouvoir dans le monde. 2021, c'est une nouvelle ouverture. Oui, je veux libérer mon peuple. Venez prendre la bénédiction sur le baobab. La terre qui a gagné. L'un de l'océan, paix ancestrale chez vous. Allez, il est 23h00 à Londres, minuit au Cameroun, je ne sais pas quelle heure en Côte d'Ivoire, je ne sais pas quelle heure il est à Kampala. Je sais qu'il est aussi minuit déjà en Afrique du Sud, à Joburg, à Pretoria. Je sais qu'il est déjà minuit en Suisse, en Allemagne, en Belgique. Je sais qu'il est minuit sûrement aussi au Mali. Je sais qu'il est minuit à Kigali. Je sais qu'il est minuit à Kampala. De toute façon, il est minuit sur le mont Kilimandjaro. Paix ancestrale. Allez arracher vos bénédictions. Suivez votre spiritualité, votre lignée ancestrale vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Arrêtez d'aller à la Mecque et à Jérusalem, ce n'est pas pour vous. À chacun son Dieu, le Dieu des Africains et Noirs. Paix ancestrale sur vous, abondance, bonheur, prospérité, joie, succès surtout. Travaillez dur, la prière ne donne pas l'argent. Travaillez dur, dormir à l'église c'est une perte de temps. Dieu aime les gens qui ont des projets. Pensez positif, agissez. Achevez, paix ancestrale sur vous. 23h en Côte d'Ivoire, 23h aussi à Londres. Mais il est déjà, bonne année, me Clarisse. Le bon Dieu veille sur toi. Merci Bibiche, merci. Le Dieu de mes ancêtres veille sur moi. Précisez, pardon, le Dieu de mes ancêtres. Le Dieu des Chinois, ce n'est pas mon Dieu.
Le Dieu des Japonais, là, Ezali, mon Dieu, t'es. Le bon Dieu n'était pas fou pour me créer en Afrique. Dites, Clarisse, le Dieu de tes ancêtres veille sur toi et je reçois. Je reçois le Dieu qui connaît le désert, je reçois. Le Dieu qui a le secret de la forêt, je reçois. Le Dieu qui a la force de la rivière, je reçois. Le Dieu qui nous a donné un sous-sol riche et immense, je reçois. Le Dieu qui m'a mis dans le sein de Manapseya Campoline, la femme de mon père, je reçois. Envoyez-moi mes cœurs et appelez-moi bébé. Paix ancestrale. Mamandombe, paix ancestrale sur vous. Africainement vôtre. Je dja. Et tout le monde doit dja à partir de maintenant. Paix ancestrale. Soyez prudents. Prenez soin de vous. Aimons-nous vivants. Pas de colère. Pas de jalousie. Que chacun assume son abondance. Je dja. Yvonne Techam Sinkoufi. C'est ça qui est la vérité. Sinjianzu. Simbungama. Si bana, si bafanga, si numdoromta. Thomas Sankara veille sur moi. Merci, donnez-moi les cœurs. Modibo Keita aussi, ce coup touré va me protéger. Et c'est ça qui est la vérité. Ils savent que je suis dans la vérité. Jomo Kenyatta va me protéger. Ils savent que je suis dans la vérité. Samura Machar va me protéger. Il sait que je suis dans la vérité. Madiba Tata va me protéger. Il sait que je suis dans la vérité. Kadhafi sait que j'ai eu mal pour lui et je sais qu'il va me protéger. C'est eux-là, mes anges. Il n'y a pas des anges qui vont venir d'ailleurs. Il n'y a pas des prophètes et les disciples, non. Je dis, le Dieu de la dynastie de Balengu, il veille sur moi. Le Dieu de la terre de Kibangu, c'est de ça qu'il s'agit et c'est ça qui est la vérité. Arrêtez de construire les mosquées et les cathédrales à la con. L'Afrique n'en a pas besoin. Dieu est assez riche. Il n'a pas besoin de vos prières en longueur de journée et vos pèlerinages à la con. Il n'en a rien à cirer. Paix ancestrale sur vous. Africainement vôtre, la maman Ndombe. Vous savez comment j'abonde. Je suis pleine de grâce. Oh! Je suis pleine de grâce. Je dis, ma vie abonde de joie. Je reçois à l'instant T la bénédiction directe de Dieu, pas le Dieu des autres. Protégé. Je dis colissimo, directement par mes ancêtres, par le Dieu de l'Afrique qui connaît mon problème. Je dis, c'est Amazon de ça. Oh, oh, oh. Je reçois. Je dis, livraison à domicile. Ils connaissent mon adresse spirituelle. Paix ancestrale sur vous, maman Ndombe. Beauté XXL. Même avec la beauté, le bon Dieu a été généreux avec moi parce qu'il savait, Yedja. Il savait que j'avais une mission. Il m'a envoyé sur terre. Les ancêtres m'ont élu et Dieu m'a choisi. La messagère ancestrale, la voix des sans voix, Mamandombe, africainement vôtre, divinement vôtre.